Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas vraiment à ça au début. Mais il y a vraiment eu des choses très, très, très chouettes. Surtout par rapport au rêve. Je trouve que j'ai vraiment pu m'exprimer et exprimer ce que je pensais du rêve. Et en le confrontant avec celui des autres, on a vraiment pu faire des choses vraiment très chouettes. Et puis le fait de le mettre en pratique, je trouve ça vraiment un aspect concret qui est intéressant. Je me suis engagé dans le groupe du bonheur communal brut. C'est une idée que j'avais eue, je trouve ça intéressant de mesurer le bonheur des Grésiens au lieu que d'autres facteurs qui sont parfois un peu qui veulent pas dire grand-chose. Mais je crois qu'avec si on arrive à développer ça en Islande, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Si j'ai le temps, j'aimerais bien m'investir dans des groupes, mais en tout cas, ça me permet aussi de m'ouvrir à d'autres perspectives, m'ouvrir les yeux sur d'autres choses qui ont été abordées ici, et pourquoi pas répéter l'expérience autre part, peut-être dans les milieux universitaires ou autre part si j'ai l'occasion de le faire.